Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment créer deux vidéos animées très très simplement. Donc c'est vrai que lorsque vous arrivez sur PowerPoint, normalement vous arrivez sur la page d'accueil ici et on vous donne une nouvelle présentation. Mais là nous allons directement aller dans ce que j'ai préparé pour que je vous montre déjà à quoi va ressembler la première vidéo. Je vous ai dit c'est du simple. C'est juste pour vous montrer que c'est possible, même si vous n'y connaissez quasiment rien, il n'y a rien de très compliqué à faire cette première vidéo. Voilà. Donc, j'ai mis sur un slide toutes les images dont j'avais besoin pour faire ma vidéo, sauf le fond que l'on va mettre après, sans problème. Alors, je vais insérer une nouvelle diapositive vide. Je vais essayer de prendre mon image de fond. Je fais un copier et un coller. Comme vous voyez, elle n'est pas totalement assez grande. Donc j'agrandis un petit peu de chaque côté pour que ça dépasse. Voilà. Et je vais rajouter en bas une partie pour fermer la diapo, donc ici, hop, de la même grandeur que l'image, à quelque chose près. Je fais remplissage, je vais chercher la couleur que je veux et par contre j'enlève le contour, voilà, et je vais aller la mettre, cette forme, en arrière-plan. Reculer. Voilà, comme ça on est sûr de voir les arbres comme il faut. On peut grouper ces deux images pour être sûr que si on les bouge, on les bougera ensemble. Maintenant, nous allons préparer notre animation en commençant par mettre la première petite voiture dans notre diapo, notre slide, comme vous voulez. Alors nous, on va la mettre d'abord ici, puisqu'elle va commencer ici. Et on va aller dans animation, on va ouvrir le volet d'animation et on va ajouter une animation. Et là on va aller dans ligne et on va choisir d'aller vers la gauche. Ok, donc on voit ici une petite flèche verte qui indique l'endroit où commence l'animation et là où elle finit. Mais moi je veux pas qu'elle finisse ici, je veux qu'elle finisse de l'autre côté de la diapositive. Voilà, hop, c'est parti. On vérifie. Ça va très très vite. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'ici, on va augmenter la durée et on va mettre 4,25 par exemple. Voilà, c'est déjà beaucoup moins rapide, mais on peut aller jusqu'à 5 à mon avis. 5, hop, et on vérifie. Voilà, ça passe à une vitesse correcte. Maintenant, on va faire rentrer la seconde voiture. On la met au même endroit, peu importe. La mettre au-dessus pour l'instant. On va la mettre ici et on va lui appliquer aussi, on va aller dans animation et on va lui appliquer aussi une animation. Pareil avec une ligne et on remet bien sûr pour aller à gauche. Comme pour le précédent, on voit que la ligne s'arrête ici et nous on va la faire aller un petit peu plus loin. Voilà, on veut la mettre jusqu'ici. Voilà, on vérifie. Alors ici par contre, il faut aller quand même dans le volet d'animation pour dire que l'on veut que celle-ci se passe après le précédent. Et puis celle-ci, on va le mettre avec le précédent pour être sûr que ça se passe bien. Alors on y va,
on voit notre première petite voiture et la deuxième qui fonce. Alors là, celle-ci, effectivement, elle va un peu trop vite. Donc on va lui mettre 5 comme à l'autre. Et on refait une vérification. Et ici, on va aller voir parce que, à mon avis, il y a du temps qui a été mis. Voilà, il y a 2 secondes pour le démarrage et nous ne voulons pas de cela ni une fin en douceur. Voilà, donc ça va être... On va regarder depuis le départ. Voilà, il passe et l'appareil, il vient tout doucement. Je ne sais pas si ici il y a un temps de temporisation ou pas. Pareil, donc on va l'enlever. On va peut-être mettre 1 seconde par rapport à l'image précédente. Voilà. Alors maintenant, cette voiture-là, il va falloir lui ajouter une animation. On va la faire disparaître. Et donc, on va la faire disparaître après le précédent. Et dans les options d'effet, minutage, on va laisser 0,5 avant de disparaître. Et nous allons faire rentrer les 2 voitures qui se rentrent dedans. Donc on copie et on colle. Et on va mettre celle-ci à l'endroit du repère rouge. Voilà. Et donc on va faire toujours animation et là apparaître. Et apparaître avec le précédent. Et on va regarder s'il y a des minutages. 0,5. Ok, donc on va regarder ce que ça donne. Celui-ci, il va tranquille, il part en vacances. L'autre arrive tranquille aussi, pas très pressé. Et d'un seul coup, il y a l'autre qui lui rentre dedans. Alors, pourquoi est-ce qu'il lui est rentré dedans? Bah, parce qu'il y a un petit chien qui est couché. Alors, on va mettre le petit chien couché sur la route. Et ce petit chien, eh bien, il faut qu'il apparaisse. Donc, on va dans animation, apparaître. Et il va apparaître avec le précédent. Et le minutage, on va mettre 0 pour qu'il soit un poil avant. Voilà, et on regarde. Il voit le chien et crac, il se fait rentrer dedans. Alors voilà notre petite vidéo. Vous voyez que c'est hyper simple de faire ça. Il suffit d'avoir trouvé les bonnes images et après, ça marche tout seul. On regarde en grand. Bien entendu, vous pourriez y mettre de la musique ou même parler pendant votre vidéo, mais ce sera dans une autre vidéo que je vous expliquerai comment. Voilà. Alors maintenant, on va faire l'autre animation. Je vous montre donc cette animation. C'est parti. Bon, mon tigre, il est un peu gros hein, sur cette... Mais c'est pas grave. Alors, on va dire que, par exemple, le tigre, on va le rétrécir un petit peu. Parce que sinon, il est vraiment très, très gros. Voilà, comme ça. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va insérer une nouvelle diapo toute blanche en dessous. Ici, je ne sais pas si c'est un fond. Non, c'est une image aussi. Donc, on va copier le fond. On va le mettre sur notre slide. Cette image, vous l'aurez mise déjà sur votre ordinateur. Comme ça, ce sera facile de la retrouver. Comme pour l'autre vidéo, j'ai mis toutes mes images dans un slide pour être sûr d'avoir ce dont j'ai besoin sous la main. Donc, je fais un copier
coller. Je rétrécis un petit peu mon image et je la mets ici, par exemple, voilà, même si c'est pas pile poil comme l'autre, c'est pas grave. Et je mets cet arbre-là, copié de l'autre côté. Je vais le mettre ici et je vais le rétrécir un petit peu. Et le sortir un peu. Je vais le mettre ici. Là. Hop. Voilà, il est pas mal. Maintenant, je vais faire rentrer le tigre. Donc, je vais prendre, copier, et je vais mettre mon tigre ici. Sauf que là, je fais CTRL-V pour coller, parce que sinon, vous allez avoir juste l'image sans l'animation, une image en GIF. Donc, je la mets ici. Mon tigre, il court le furet. On va lui mettre une animation. Et on va lui mettre une animation de ligne vers la gauche, vers la droite. Voilà. Donc on voit notre tigre qui avance. Là, je vois le tigre, mais ah, c'est pas ça que je veux. Là, c'est l'arbre. Alors, je vais vous montrer autre chose. On va dans accueil, on va dans sélection, volet de sélection. Et notre arbre, eh bien, on va l'enlever momentanément parce qu'il nous ennuie. Donc ici, on va dans animation, le volet d'animation. Et donc ici, on a notre petit triangle et on voudrait bien emmener notre tigre jusque de l'autre côté. Voilà. Et donc, on va regarder déjà ce travail. On va retourner dans le volet de sélection pour remettre notre arbre, parce qu'il faut qu'il soit là, notre arbre, sinon ça ne fait pas pareil. Et nous regardons ce qui se passe. Alors là, notre tigre, il y va à donf, hein, franchement. Et là, on va faire volet d'animation, on va aller ici, dans, alors avec le précédent, ici, option d'effet. Alors déjà, il commence en retard, ça, on n'en veut pas. Et le minutage, 2 secondes, la durée, ben, nous, on veut que ça dure 5 secondes. Voilà, hop. Et c'est très, très bien, 5 secondes. Hein. Vous voyez que ça marche très, très bien. On te met sur pause, Coco. Voilà. Mais vous avez vu que mon tigre, il passe devant l'arbre. Hein, vous l'avez vu? Regardez. Et moi, je veux qu'il passe derrière. Donc, mon arbre, je vais cliquer droit et je vais aller le mettre en premier plan. Premier plan. On réessaye. Il passe derrière. C'est beaucoup mieux. Voilà. Celui-là, je vais le descendre un petit peu. Voilà. Alors maintenant, je vais aller récupérer mon deuxième petit bonhomme. C'est celui-ci. Je vais copier. Et CTRL-V pour coller le petit bonhomme. Et bien, je vais le mettre ici. Et je vais lui donner une animation. Ajouter une animation en ligne. Et on veut que ça aille vers la droite. Alors là, pareil, hein, il faut y arriver ici et le mettre à l'extérieur. Sauf que mon petit bonhomme, je veux qu'il parte après, en même temps que le précédent, avec le précédent, mais je veux lui donner un petit peu de retard. Donc, je vais aller dans, d'abord, option d'effet, voilà, démarrage en douceur, ça, on s'en fiche, c'est pas le problème que ce soit en douceur. Par contre, on veut un délai de 2 secondes, et là, on va mettre 5 aussi. Voilà, c'est parti. Et on regarde ce que ça donne. On regarde, allez. Le tigre passe, le petit bonhomme passe devant l'arbre, c'est pour voir la différence. Et voilà,
votre petite vidéo animée est réalisée. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Donc vous pouvez faire après une multitude d'animations avec des images GIF ou des images statiques, peu importe. Ce qui compte, c'est de faire travailler votre créativité. Je vous souhaite une bonne réussite dans vos vidéos animées. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo.